Alaykoum salam, comment ça va? Et hier, ça a été la coupure. Bon, on essaye. Ah là, c'est bon, ça marche. Dieu merci. Voilà. Radio. Allô? Depuis hier. Salam Alaykoum salam, rahmatoullahi barakatou. Comment ça va? alaykoum. Ah, ça va, et vous? Et salam à tout le monde. Ah. Essayez de partager, s'il vous plaît. Vous m'entendez, non? Et t'en as où me fait cas? Oui, très bien, oui. Vous m'entendez, vous l'entendez? Bah, il faut faire signe si vous l'entendez. Donc, avant de commencer, on va écouter quelque chose rapidement. J'espère que ça va marcher. Et la question, je vous l'ai dit, hein, ceux qui font exprès de ne pas jeûner là, qui sont pas malades, qui n'ont rien, qui décident que comme ça, moi aujourd'hui je ne jeûne pas. C'est de ça qu'on va parler. Les conséquences et comment faire pour se rattraper plus tard. Donc voilà. Je cherche. J'espère que ça va marcher. Ça me fait tout le temps ça. Pourquoi ça fait ça? Vous voyez ça? Quand je prends sur YouTube, carrément quoi. Qu'est-ce que toi tu me fais? YouTube rapide. Hein? Hé, alors, c'est quoi ça? Chaque fois que moi je vais sur YouTube, ça me fait ça. Excusez-moi. Hein. On recommence encore. Vous entendez ou pas? Oui, c'est bon. Moi, j'entends très bien. C'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons secours. Guide-nous dans le droit chemin. Le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. Voilà. Je suis désolée, hein. Ok, c'est bon. Voilà. Vous entendez? Et ta mère dit, vous là. Ok, et mes filles. Maintenant, est-ce que vous, lui, vous l'entendez? Pas moi. Hein? Allez, bonsoir. Bonsoir à oui. Tout le monde. Bonjour. Et monsieur, c'est pas la fille. Donc, soyez la bienvenue. Royaume Fata Kampa. Vous n'êtes plus à présenter. Hein? Vous étiez là hier. Voilà. Et là, ouais. C'est fait, oui. Ah, c'est bon, c'est bon. Oh, ok. Donc, ceux qui, c'est-à-dire ceux qui décident, c'est pas la maladie, rien du tout. Ceux qui décident de ne pas jeûner, là, qui tombe, et ton disundé. Quelles sont les conséquences? Et, par exemple, s'ils veulent se rattraper, c'est-à-dire j'ai loupé, j'ai décidé de ne pas jeûner aujourd'hui ou hier,
maintenant, demain ou une autre fois, je veux rattraper ce qui s'est passé. D'accord. Ah. Voilà, si je comprends bien, parce que là, il y a deux questions. Il y a deux questions dans. Ok. بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bonsoir à tout le monde. Je dis à tout le monde d'abord salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. La question, voilà, la question, je crois que tu as posé une question, mais il y a deux questions dans cette question-là. Oui. Il y a trois catégories dans ce que tu viens de dire. Il y a quelqu'un, le Ramadan est venu, lui, il n'a rien gêné. Mm-hmm. Ça, voilà. Là, il n'y a pas. Mm-hmm. Et il y a quelqu'un aussi, il est gêné pendant le Ramadan, mais il a mangé quelque chose ou il a fait quelque chose qui a gâté son gêne. Non, non, non. Voilà, il y a des gens. Voilà, c'est pourquoi je veux une petite. Moi, je vais en oubliant. Mais il y a des gens qui décident. Très bien. Non, c'est ça que je suis en train de dire. Parce qu'il y a quelqu'un pendant le Ramadan, il ne jeûne pas le mois de Ramadan. Ça, c'est un cas à part. Il y a un autre cas aussi. Voici deux personnes. Les deux personnes, c'est. Un homme, par exemple, un homme qui a fait un rapport sexuel et quelqu'un qui est là, mais il a décidé comme ça de gâter, mais sans faire rapport sexuel. Donc, c'est deux personnes différentes, pardon. Quelqu'un qui gêne, ou bien le Ramadan est venu, il a commencé à gêner. Bon, il a dit, bon, moi, je ne peux pas continuer. Donc, il n'est pas malade, il n'a rien. Il part, il mange. Lui, il doit se repentir après le Ramadan, mais il se rattrape, mais en gênant seulement un seul jour. Mm-hmm. Voilà, il n'y a pas kafara, il n'y a rien. Il n'y a pas d'autre sentence qu'il va faire. Parce que lui, il a mangé seulement, ou bien il a bu seulement. Oh ben, la fumée, donc là, il n'y a aucun problème. Lui, comment il se rattrape? Voilà, il se repent d'abord, après il rembourse le jour qu'il a fait, si c'est deux jours ou bien trois jours, ce qu'il a fait, ce qu'il avait mangé là, donc il va rattraper ça, voilà, il va rattraper les jours passés, ou bien le jour passé. Voilà. Et voici un autre cas aussi. Quelqu'un, par exemple, un homme marié, et pendant la journée, ou bien une femme mariée, voilà, il s'est passé quelque chose entre lui et son conjoint, ou bien sa conjointe. Oui. Tu m'entends? On peut faire ça? Non, ça peut arriver, ça peut arriver. Ça peut arriver. Ou bien quelqu'un qui n'est pas marié, voilà, le chétan le trompe, après, voilà, il fait, parce que celui qui n'est pas marié, là d'abord, il a la sanction de la fornication, mais aussi, il a, voilà, donc ça, on ne va pas rattraper. Donc, prenons un homme marié, par exemple, voilà, pendant la journée, ouais, il est en jeûne. Après, quelque chose s'est passé entre. Satan lui, voilà, rentre dans son corps. Quelque chose passe entre lui et sa femme. Ou bien, même si ce n'est pas ça. Parce qu'il y a. On dit qu'il y a des films aujourd'hui. Il y a des gens qui peuvent regarder des films. Ils regardent certains films comme ça. Jusqu'à ce qu'il ait excité. Un film porno comme ça. Ou comme ça. Jusqu'à. Voilà. Donc, comme ça, il se voit. Hein? Excité après. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire?
En tout cas, je vois, voilà, quelque chose est sorti de lui, sur lui, comme ça. Bon, ben, espère, comme ça. C'est différent. Moi, ce dont je parle, quelqu'un qui décide, comme moi, là, ou Paul, ou Pierre, ou Aïssata, ou Ibrahim, décide aujourd'hui, moi, je ne jeûne pas. Je n'ai rien comme ça. Voilà. Non, non, Tandis que ce que tu dis là, ça, c'est des trucs qu'eux-mêmes, ils sont partis chercher parce qu'ils n'ont pas à faire ça pendant des mois, des mois. Mais quelqu'un qui décide, moi, je me lève ce matin-là. Astaghfirullah, je n'ai rien du tout. Très bien, je suis bien portant. Je dis, ok, bon, moi, aujourd'hui, je ne gêne pas, je n'ai pas envie. voilà, Et les voilà. conséquences. Et qu'est-ce que je dois faire plus tard pour rembourser aujourd'hui ou hier que j'ai loupé? Non, non, mais c'est ce que j'ai dit depuis le début. Mais tu m'as pas bien compris dès le début. J'ai dit, ici, tu as posé une question, mais il y a trois personnes qui se trouvent dans cette question-là. Il y a trois personnes qui se trouvent dans cette question. Il y a quelqu'un qui ne jeûne pas. C'est-à-dire que le mois complet, le mois du Ramadan, lui, il ne jeûne pas. Là, Non, c'est un cas à part. Très ça bien. c'est autre chose. C'est Lui, pour. il a décidé de ne pas du tout jeûner tout le mois de Ramadan. Mais quelqu'un qui décide Non, non, un je dis jour. ça, je dis ça pour que ceux qui nous suivent, je dis ça pour que ceux qui nous suivent comprennent bien. Et quelqu'un maintenant, lui, il a commencé à jeûner. Il commence à jeûner. Bon, il dit, bon, maintenant, par exemple, aujourd'hui, il jeûne. Et demain, il dit que non, moi, je ne veux pas jeûner. Il est malade. Il n'est pas malade, il n'a rien. Donc, voilà. Donc, celui qui fait ça, qu'est-ce qu'il fait après le Ramadan? Il rembourse les jours passés, les jours qui n'a pas jeûné pendant le Ramadan. Mais il n'a pas d'autres sentences ou bien sanctions à part ça. Seulement, il se repent, il rembourse les jours et il rattrape le jour passé. Ça, c'est un. Et quelqu'un qui est là, c'est un marié. Aujourd'hui, il a jeûné, mais demain, après, il se passe quelque chose entre lui et sa voilà, sa conjointe ou bien sa femme. Là, c'est différent de l'autre là. De celui qui, d'un célibataire qui a seulement mangé ou bien qui a seulement bu ou bien a fait quelque chose, mais sans toucher une femme ou sans toucher un homme. Donc, un homme marié en tout cas qui ne jeûne pas, mais la cause, c'est pas, il a touché une femme. Qu'il touche une femme, c'est qu'après le Ramadan, il a trois options à faire. Il a trois options à faire. La première, c'est quoi? La première, il doit jeûner 2 mois successifs. 2 mois successifs, c'est-à-dire 30 jours. Et plus, le jour qu'il n'a pas jeûné pendant le Ramadan, c'est-à-dire 61 jours. Il fait d'abord 2 mois successifs. Et le un Après, jour, là, il ajoute ça. il ajoute ça. Bon, s'il ne peut pas faire ça, s'il ne peut pas faire ça, il doit affranchir un esclave. Mais bon, aujourd'hui, c'est un peu difficile de trouver un esclave. Oui, il faut Voilà, il doit. adapter au temps qu'on Voilà. vit. Voilà. Et s'il peut faire ça, il doit nourrir 60 personnes. 60 personnes. Il doit nourrir 60 personnes. Il doit faire ça. D'accord. C'est ça les sentences. Et je crois bien si tu as bien compris, ok. Si tu n'as pas bien compris, tu peux me Non, demander, je fais. j'ai très bien compris. Donc, 2 mois, c'est-à-dire, tu fais 2 ramadans pour rembourser un jour, donc 60 Ça. jours, et plus un, donc 61 jours. Ou alors, Voilà, et puis c'est successif. Hein. C'est successif. Tu ne vas pas dire que ouais, oui, je vais gêner aujourd'hui. continue. Non, continue. Non-stop, Oui. jusqu'à 61 jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Demain après, 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 jusqu'à 61. Voilà. Après le temps, à l'époque, affranchir un esclave ou alors Oui. mourir 60 quelqu'un personnes. pendant
Combien de personnes? 60 personnes. Nourrir 60 personnes. Un jour. Oui. En une journée. Non, non, non. Non, 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 non. C'est que si tu veux, tu peux nourrir un pauvre un jour. Un pauvre, c'est pour que les gens disent 60 personnes. Une personne par jour. Que... En 60 voilà, jours. Ça veut dire... 60 personnes, voilà. 60 jours. Un par jour. Justement. 60 ouais. jours. Justement. Voilà. Maintenant, j'ai compris. Parce que la partie là, je n'avais pas compris. Je pensais que c'était de nourrir une personne pendant. C'est-à-dire, moi seul, on me prend, on me nourrit 60 jours, tandis que c'est une personne par jour pendant 60 jours. Donc, 60 personnes sur 60 jours. Justement, justement. Là, je comprends. Voilà. Voilà. Donc, si tu n'as pas les moyens de nourrir tes personnes pendant 60 jours, c'est-à-dire 60 personnes pendant 60 jours, tu gères 61 jours. Justement. Justement, oui. Oui, sans, oui. Sans interruption, oui. Sans interruption. Ça, c'est une journée de jeûne. Maintenant, ouais. si la personne décide, parce que là, là je, on ne parle pas de maladie, on ne parle pas des gens qui, tout ces machins, trucs là. Non, ouais. non, c'est pas ça. Les gens qui décident, c'est des décisions. Il n'y a pas de maladie, il n'y a rien. Tu décides comme ça. Tu décides, par exemple, toi, tu ne gênes jamais. Ou alors, l'année-là, je ne gêne pas. 30 jours, je n'ai pas jeûné, par exemple. Celui qui fait ça. Voilà. Non, non, voilà. J'ai commencé par ça. C'est pour quand je dis, tu as posé une question et il y a trois personnes qui se trouvent dans, dans cette question. Mm-hmm. Quelqu'un qui, n'a, qui décide qu'il ne va pas gêner le ramadan complet. Il dit, bon, cette année, moi, je ne vais pas gêner. Là, son, son cas... Son cas est différent de celui qui commence à gêner, après il laisse. Il bouffe un peu. Mmh. Voilà. Celui qui décide de ne pas gêner du tout, lui, il n'a rien à rembourser. Il n'a rien à, à rembourser tout simplement. C'est, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit se repentir devant Dieu et demande pardon à Dieu. Mais ce qui est passé, il ne va pas rembourser ça. C'est comme si quelqu'un quelqu'un qui priait avant, mais il laisse la prière. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Voilà. Lui, il se repent, il demande pardon au bon Dieu de ne plus jamais refaire ce qu'il avait fait. Donc, ça, c'est ça la différence. C'est pas quelqu'un... Par exemple, comme moi, par exemple, je prends l'exemple. Je suis un jeune comme ça, voilà, je commence à gêner et voilà, il est quelle heure? Il est 18h, 19h. Et maintenant là-bas, je fais quelque chose. Je fais quelque chose de voilà, qui n'est pas bien. Après, voilà, je fais quelque chose, de, bah, voilà, à l'instant T, voilà, je fais quelque chose qui peut interrompre. Voilà, mm-hmm. mon jeune. Non, là, donc, là par exemple, là, je touche à ma femme. Donc, après le ramadan, qu'est-ce que je dois faire? Voilà, je dois faire 60 jours, je dois gêner 60 jours, après rajouter un jour que je, le jour que je n'ai pas gêné. Là, donc, ça fait 61 jours. Et si je n'ai pas le moyen de faire ça, qu'est-ce que je fais? Voilà, j'affranchis un esclave. Et si je n'ai pas le moyen, je dois nourrir 60 personnes, c'est-à-dire une personne par jour. Mm-hmm. Voilà, c'est pas, faut pas nourrir de... On prend un gâteau là, tu donnes à quelqu'un. Hein, et voilà, non, le nourrir vraiment, toute la journée là, il est à ton compte. Voilà, et donc ouais, celui qui décide cette année, il dit que moi je ne veux pas gêner du tout. Lui, il n'a rien à rembourser, mais il doit se repentir et lui, se retourner. Son cas est grave. Voilà. Mais, lui, il n'y a pas de solution. Oh, oui. Il faut se repentir directement. Directement, voilà. Mais c'est, voilà. Cela ne doit pas être, ne doit pas être un prétexte pour certains. Ils disent, ah bon, je vais cette année-là, je vais faire, après, je vais me repentir. Ah, celui qui fait ça dans la vie-là,
le plus difficile en islam, c'est quoi? C'est de repentir. C'est très, très difficile. Oui. C'est très, très difficile. En faisant des mauvais actes, tu vas dire que ouais, je vais faire ça aujourd'hui, mais je vais te repentir. Je vais me repentir. Mais est-ce que tu sais, d'ici demain, est-ce que tu vas vivre? Oui. À quand la mort, voilà, tu vas mourir. Donc, c'est pour toi, c'est très difficile. Un exemple. Youssouf, ses frères l'ont jeté dans un puits. Bon, ils se sont dit que bon, on va faire ça. Après, nous sommes les enfants d'un prophète. Et après, on va se repentir. Mais après, ils n'ont pas pu le faire sauf après 40 ans. Voilà, mais est-ce que toi, tu sais que demain, jusqu'à demain, tu vas vivre, ou bien, même maintenant, là, je suis en train de parler, là. Je parle maintenant, là. Mais est-ce que après ici, là, dans 5 minutes, est-ce que je vais mourir? Est-ce que tu sais? 5 minutes après, ou 5 minutes après. Voilà. Ou bien, seconde même, est-ce que je sais? Donc, c'est pourquoi nous devons éviter de faire les choses par exprès. C'est pas bien. Je fais ça parce que. Est-ce que nous savons? Demain, ça va changer. Est-ce que nous savons? Est-ce que nous savons aussi Dieu, est-ce que Dieu va accepter? Mm-hmm. Voilà. Il y a tout ça. Bon.